asleep amidst the trees. Bats all a swaying in the breeze. But one soul lies anxious, wide awake, fearing all manner of goose hacks and rays. Regarde-moi ce derrière. Oh, il est parfait. J'aimerais tellement m'approcher et lui mettre ma... Oh ! Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de The Witcher. Oui, vous m'avez découvert, désolé. Désolé pour ce petit instant d'égarement et on se retrouve avec Triss. Salut Triss. Salut Triss. Salut Triss. Oh. Réponds là ! Oui ? Je t'ai demandé de répondre. Ok, très bien. Allez, encore suivre Triss, allez. Encore un épisode où il faut suivre les gens. Ah. D'après Cloug, le colis doit être au fond dans ces parages. Sauf erreur de ce pauvre bougre. Depuis qu'il s'est fait cuisiner par Meng, il perd un peu la tête. Sans oublier son délire de persécution. Le courant a dû charrier le colis en aval. Je vais nager vers le port. Tu viens ? Allez, nageons ensemble. Une autre fois, peut-être. Oh. Tu ne sais pas ce que tu rates. L'eau est gorgée d'huile caustique. Ça devrait faire des merveilles sur mon teint. Hop là, esquive. Bon, ça va faire... Ouais, je vois l'huile. Ça doit faire des merveilles sur mon teint. C'est très bien, je vais rajeunir. Bon, voyons voir un peu. Mes sens de sorceleur ne me disent rien. Où est ce colis? Là! Bon, ça va, il n'y a pas de monstre. Tant mieux. C'est lequel? C'est celui-là? Il y en a plusieurs. Une épée, poudre, page de manuscrit. Mais c'est pas ça qu'elle veut. Ah, il est là alors. Ah ah! Ramassé. Sac en cul. Voilà. Puis c'est parfait, avec ma coupe de Jones, je nage dans les eaux dégueulasses de la ville. Voilà, ça fait très racaille. Tiens, Triss, ta bourse. Tu as trouvé le colis ou tu t'es trempé pour des prunes? Rien de tel qu'un bon bain dans un canal immonde. Plein d'humour, ce Gérald. Une encre rouillée, la carcasse d'une barque et... Oh, ça. Ma livraison. J'espère que le contenu n'a pas trop souffert. Tu es adorable. Ah, merci. Ce regard, ça se voit qu'il pense comme moi. Tu te rappelles la façon dont je manie mes éléments? 6 mois, ce n'est pas si long quand même. Et je suis loin d'être sénile. Mais l'amnésie et toi, c'est une longue histoire. J'ai retrouvé le plein usage de ma mémoire. Tant mieux. Comme ça, tu te laisseras moins mener par le bout du nez. Ah! Quelqu'un m'a mené par le bout du nez? Ah merde! Mais je n'ai jamais insinué que... Dépêchons-nous. Ouais, bon, j'ai pas joué à The Witcher 2 ni à The Witcher 1, donc... je ne connais pas cette histoire de perte de mémoire, c'est dommage. Malheureusement. J'y jouerai un de ces quatre parce que j'apprécie vraiment celui-là. Hello. Salutations, magicienne. Et moi, putain! Vous êtes accompagné, ce que je vois. Ah, et déjà plus gentil que l'autre. Ouais, j'avoue. Triss, tu as dit à cet homme que tu es magicienne? Bien sûr, elle cherchait du travail, et c'est son principal atout. Tu es sûr que tu es bien, Triss? Je sais que j'ai commis une imprudence, mais la concurrence est rude. Personne ne m'aurait engagé pour attraper les rats. En vérité, qui aurait cru qu'une telle beauté puisse se spécialiser dans l'extermination des rongeurs? D'accord, donc elle met sa vie en danger pour tuer des rats. Triss, toi et l'ami Brandon, vous avez convenu d'un tarif? On s'est mis d'accord sur une bourse pleine. Brandon et associé est une affaire sérieuse. Le plus vaste grenier à blé de nos villes. Ah ben on va tout faire brûler! Allez. En bon marchand. Vous savez comment marchent les affaires? Bien sûr, à travail honnête, salaire honnête. La moitié d'avance, le solde à la livraison. Vous exigez beaucoup. On s'en fout. Je suis sorceleur.
J'en ai vu plus d'un dire une chose a priori et chanter une autre chanson a posteriori. Ça n'a aucun rapport, mec. Bon, bien. Voici la première. Allez, hop, la première traite, ça c'est fait. Hé hé. Tu vois comment marchand... Nous devons disséminer ces cristaux dans tout le bâtiment, près de tout ce qui semble lié au rat. Ok, donc il faut placer des pièges à rats dans l'entrepôt. Bah, c'est ce qu'on va faire. Je m'occupe de ce côté-ci. Prends l'autre. Cherche des traces de l'activité des rats. Mais t'es sérieux, là, putain? Tu sais à quoi ressemblent les traces d'activité des rats? On va tuer des rats? Mais pour ce qui est des rongeurs... Gérald, on aimerait l'un et l'autre se trouver autre part. Bah regarde, il y en Je a là, hein. Je préfère siéger au Conseil Royal, mais ils ont aussi mon roi. Cherche les crevasses et les déjections. Ça va, je le fais. Une fois lancé en place... Qu'est-ce qui va se passer? Ça va tout brûler. Je lancerai un sort pour chasser les rats. Tu ne peux pas te passer de l'encens? Je n'ai pas spécialement envie de traquer les fientes de rats. Arrête un peu de te plaindre. Oh là là, j'avoue. Le mec, il arrête pas de se plaindre. Bon, c'est pas fini, là? Il en manque un. Non, ce côté, c'est elle qui s'en occupe, donc je sais pas pourquoi je cherche par ici. Ah merde. Piti piti piti. Où est votre petite maison? Bah merde alors. Les deux je les ai eu par chance hein, parce que... Ah là. Ah bah bravo. Bah vas-y, examine-la. T'as vu? Ah merci. J'ai fini. Mais en fait, c'est moi qui fais tout, non? Parfait. Allez, fais tout péter. Attendons maintenant de les voir détaler. Intéressante méthode. J'ai jamais eu de chance avec les rats. Une fois en pleine nuit, j'en ai tué un avec une fourchette. Je voulais épater la galerie. What? Un lancer parfait, vraiment. Et personne d'autre ne l'a vu. Comment aurait-il pu dans le noir? Magnifique. Alors, que penses-tu de la carrière de chasseuse de rats? On est bien loin du rôle de conseillère du roi de Téméria. Je suis content que tu ailles bien et que nous soyons... réunis. Ah merde. J'ai jadis connu un homme qui réagissait à tout. Notamment à l'adversité, en s'en moquant. Saine attitude. Il a dû vivre vieux. Un beau jour, il a perdu ses jambes lors d'une bataille. Oh merde. Il a déclaré que c'était aussi bien comme ça, elle ne lui ferait plus jamais mal. Je le comprends parfaitement. Je sais. Le problème, c'est qu'il se mentait. À mon sens, il n'avait guère le choix. Ouais, on s'en fout un peu de l'histoire, en fait. On a tous à l'occasion. Mais se mentir, c'est fuir ce à quoi on a... Tu veux pas lui demander si elle ment vraiment ou pas? La fuite est parfois la seule façon d'oublier. Ton ami aurait pu se lamenter pour ses jambes. Mais ça ne les aurait pas fait repousser pour autant. Dis-moi comment va Yen. Comment sais-tu que je l'ai trouvé? Tu n'as pas répondu à ma question. Comment va Yen? Ah, jalouse! Elle va bien. Je m'en fous que tu sois jalouse. Bonne nouvelle. Tu as une question plus précise en tête. Cette jalousie. C'est bon, j'ai ma réponse. Ah, les rats s'enfuient. Ciao, ciao. Faudrait ta technique. Hein, pour les restos de... de la ville. Hey, le mec, il flippe pas. Hein. Il voit autant de rats, il s'en bat les couilles. Le tourtereau discute au lieu de travailler. Le boulot est fait. Gérard. Ouais, j'avoue, le mec... Je sais parfaitement qu'ils sont tristes. Mes amis, tenez à ce que je les prévienne si je rencontrais des mages et autres sorcières. Je n'avais pas le cœur à leur refuser. Bon, j'ai bien fait de demander la moitié. Hein. C'est un piège, Gérald. Je sentais bien qu'il y avait un... Au moins, j'ai eu la moitié des sous. Faire comme si vos amis n'étaient... le solde, et séparons-nous en bon terme. Ce n'est pas à vous de dicter les règles, mutant. Ouais, te mêle pas de ça. C'est la sorcière qu'on veut.
L'ennui, c'est que nous sommes indissociables. Si vous la voulez, elle, il faut me prendre. Non, en fait, j'en ai vraiment rien à foutre Gérard. D'elle. Mmh. T'es sûr? Arrête. Ça peut s'arranger. Oh, tu vas faire une connerie. Arrête de bavardage. Faites ce que vous avez à faire. Mais ne comptez pas sur moi pour fermer les yeux. Eh merde. J'ai assez entendu ce fils de pute. Oh! Voilà, mais on a dit pas les moments. Et toi, gros lard, tu vas mourir. Ah ouais, mais sors ton épée. Putain, je vois rien, c'est trop serré. Aïe, c'est trop serré là, putain de merde. Y a pas d'espace pour se battre. Bon, tu fais aucun dégât, meuf, arrête. T'es pitoyable. Allez, attaque-le. Voilà, au moins je peux profiter de tes attaques pour le tuer. Bah, il avait quand même l'intention de nous payer puisqu'il nous a quand même payé la moitié. Hop, on récupère ça et on se barre. Ah, il est là. Salut! Pitié, messire. Épargnez-moi. Ils m'ont forcé. Si j'avais refusé de collaborer, ils auraient incendié ma maison, mon entrepôt. Les chasseurs de sorcières sont un peu. Bon, donne-moi là, moi, l'autre moitié, s'il te plaît. Laissez-moi vivre. Ne vous abaissez pas au niveau de. Le double même. La ferme. Je devrais vous tuer, mais mort, vous n'intéresseriez que les mouettes. Vous allez donc vivre et vous payer le double, tout de suite. Ah, payer le double. Il a la même idée que moi. Il est bon, celui-là. Voici votre or. Dégagez. Voilà, comme ça, tu me donnes la moitié. Inutile. Content d'avoir pu rendre service. J'ai réfléchi, tu sais, à qui pourrait savoir pour Ciri. Et une idée m'est venue. Une oniromancienne réside en ville, Corinne Tilly. Très capable, paraît-il. Je n'ai guère confiance dans les capacités des rêveurs. Corinne est réputée pour être très efficace. Tu devrais essayer. Ouais, ben je vais essayer. Merci à toi. Près d'ici. Suis le canal en t'éloignant de la criée. La maison est proche du premier pont. Son propriétaire, De Jonquire, est un riche banquier. Tu ne viens pas avec moi? J'ai affaire de mon côté. Ouais, mais on va se revoir quand même. Fistédora. Pas exactement, mais guère mieux. Les temps sont durs. À tout de suite. Merci pour tout. À bientôt, Triss. À bientôt. Comment te trouver si j'ai besoin de toi? Je vis au Lassie, sur la colline après la criée. Passe quand tu. Oh, je passerai, t'inquiète pas. Ah, ce gros pervers. Bon, bref. Trouver la rêveuse dans la vieille maison. Bon, tant que c'est pas la vieille rêveuse dans la maison. Mais le mec, il s'arrête jamais, tu sais. Gérald de Novigrad. N'importe quoi. Allez. Ouais, mais comment on rentre dans la vieille maison? Par là. Par là! Serait-ce une porte défoncée? Vous ne faites que passer, vagabond, ou vous cherchez quelque chose? Vagabond? À qui ai-je l'honneur? Rudolf de Jonquire. Oh, de excusez-moi, Rudolf de Jonquire. Je possède sa plus grosse banque. Votre étalage est superflu, un simple nom m'aurait suffi. Mon père disait toujours, « Fils, porte tes mérites bien haut. Ne les cache pas sous le boisseau. » Ah, la tête coupée, tes mérites, tu pourras plus les porter bien haut, alors calme-toi. Elle est où, Corinne? Je cherche Corinne Tilly. Vous avez frappé à la bonne porte. Corinne est à l'intérieur. Depuis plusieurs jours, elle rêve l'histoire de cette maison. C'est beau. Pourquoi est-ce... Pourquoi vous intéressez-vous à l'histoire de cette maison? En fait, je m'en fous, moi, par contre. C'est une lubie. Cette demeure m'appartient depuis peu. Et je l'ai payée au prix fort. Très vite, j'ai été témoin de perturbations. Ah! Tuons ces fantômes. Je n'aime pas les fantômes dans ce jeu, c'est fou. Oh, cela varie. Des gloussements nocturnes. La semaine passée, des meubles ont bougé au grenier. Et enfin, croyez-le ou non, j'ai trouvé des déjections humaines au salon. Eh ben alors? Tu es somnambule? Tu fais caca sur la table? C'est pas bien ça, dis-moi. Bon allez, puis-je rentrer? J'aimerais entrer. Jeter un coup d'œil. Je n'ai pas l'habitude de laisser les inconnus fouiner chez moi.
Mais ces deux épées, vous êtes sorceleur. Entrez donc, je suis bien luné. Ah. En vérité, nous dépendons déjà de l'Empire, économiquement. Ouais, et moi je vais dépendre de toi économiquement aussi, alors t'as intérêt à me payer une fois que j'aurai débarrassé de ta maison. Parce que la rêveuse, elle va rien faire du tout, elle va juste rêver, te dire qu'il y a des fantômes, et puis basta. Lâchez ça de grâce. C'est du sang. N'en versez pas. Qu'est-ce qui se passe? La porte, elle s'ouvre toute seule. What the fuck? Ah! Oh! Oh, mais c'est... Ah non! C'est la copine de Jeannot! C'est la chérie de Jeannot! Eh oh, Jeannine! Eh, mais c'est décolleté de malades qu'ils ont ici! Réveillez-vous, ce n'est qu'un rêve! Oh! Réveillez-vous! Bon, allez, on va s'occuper de Jeannine! Le grenier. D'accord. Bon, bah, on va aller au grenier. C'est pas très propre ici. Le mec, il aurait pu s'en occuper un peu de la maison. Très bien. Passons au grenier. Bon. Halt. Partez. Ne faites pas ça. Arrêtez. Je fais ce que je veux. Mais le grenier, c'est pas vers le haut. Du coup, c'est pas par là. Ah ah. Pas des trucs intéressants. Lâchez ça. Ah, là, il y a un coffre. Du sang. Du lait de vache. Lait de vache, vache, allez. Bon, vas-y, tais-toi. Là, le grenier. Montons. L'accès à la pièce suivante est bloqué. Ben, je la déglingue. C'est bloqué. Hein, c'est bloqué. Ouah. C'est plus bloqué. Donc la poupée, elle est là-bas. Ah, il y a un truc là aussi. Ramasser. Dessin de berceau. Il y avait un bébé ici. La poupée est là. Qui a cassé un truc là? Ça... Arrêtez! Arrêtez de me faire peur! Montrez-vous! Montrez-vous! Bon, je prends la poupée. Ok. Examinez le dessin. Examinons le dessin. Alors, non, paquette. Inventaire. Hop. Un berceau. Il y avait écrit dessin de berceau. Ça ne m'étonne pas de voir un berceau. Avec la poupée dedans. What? Bizarre. Une poupée. Posée sur un berceau d'après le dessin. Je devrais essayer d'en trouver un. D'accord. Donc, trouvons le berceau. Où est le berceau? Arrêtez ces rires. J'aime pas ça. Mais où c'est qu'il y a un berceau? Il n'y a pas de berceau? What? Je vois que dalle, hein. J'imagine même pas vous. Du lait de vache encore! Cette maison est remplie de lait de vache. Mais il n'y a pas de berceau ici. Il est où le berceau là? Ça, c'est un banc. De l'eau. Mais j'ai déjà fouillé en plus. Bon, on va descendre. Ah! C'est quoi ça? C'est un berceau ça, non? Non, c'est pas un berceau du tout. Putain, je vois rien. Sautons! Ah, j'ai pas sauté là, je me suis écrabouillé. Halt! Partez! Ne faites pas ça! Arrêtez! Attendez, il y a une porte là. Ah ah! Le berceau est là! Mettons la poupée à l'intérieur. Et voilà, t'es content, Jeannine. Essayez de comprendre pourquoi la porte a claqué. Il y a le dessin dessus. Un nouveau chef-d'œuvre. Un four, un foyer noirci. Oh, joie, une énigme. J'imagine qu'il faut que je trouve un four. Je vois à quel point il est content. Donc, cherchons le four. Ça de grâce. Bon, ça doit être en bas. Non, versez pas. Waouh, te casse pas la gueule dans les escaliers, mec. Alors, le four, il n'y a pas de four par ici, donc on va descendre. Et descendons. Non mais ouvre.
Ah, c'est bruit. Hop là. Là, le four. Y'a quelqu'un? Eh oh. Bouh. Janine. Ah ouais, c'est vraiment la copine de Jeannot. Je t'ai fait peur, pas vrai? J'en suis sûre. Un grand costaud effrayé par la pauvre petite Sarah. Ah merde, elle s'appelle Sarah. À ta place, Sarah, je ne recommencerai pas. Quelqu'un de très effrayé pourrait te faire du mal. Pourquoi on me ferait du mal? On n'a plus le droit de rigoler? T'es pas très belle, en fait. La dame s'est endormie et je lui ai envoyé de méchants cauchemars. Je l'empêche de se réveiller aussi. C'est drôle, tu trouves pas? Hilarant. C'est drôle, oui. Des barres. L'ennui, c'est que je dois parler à la rêveuse. Alors laisse-la se réveiller. La petite Sarah n'a pas envie qu'elle se réveille. La petite Sarah veut jouer. Mais va jouer avec Jeannot, putain. Tu as de la chance. Je sais que j'ai affaire à un sélicole inoffensif. Mais les autres ne le sauront pas. Et là, voilà. Paf! Et comment tu sais que je suis un sélicole d'abord? Hein? Comment? Bon, ça y ressemble et agit comme tel. Crois-moi, tu es un sélicole. Tu fais faire des cauchemars à la rêveuse. Tu l'empêches de se réveiller. Pourquoi tu la tourmentes? Je tourmente personne. Moi, j'adore les cauchemars. Ce que j'aime, c'est quand cette grosse poule me court après. Avec ses grandes... Pourquoi vis-tu dans une maison? Comment on peut aimer les cauchemars? Je vais te dire un secret. La maison n'est pas hantée du tout. C'est moi qui fais croire ça à tout le monde. Comme elle était vide, j'y suis venue. Et puis machin, le banquier l'a acheté. J'aime pas les banquiers. Surtout pour vivre avec. Alors j'ai décidé de lui flanquer la fosse. Le banquier a eu drôlement peur. Mais comme il a payé cette maison très cher, il ne renoncera pas. C'est pour ça que tu dois trouver une autre maison. Pas question, je veux pas! Mais elle est pas bien, cette maison. Oui, donc je disais, comment on peut... Le concept de cauchemar, en fait, c'est que ça nous fait peur. Donc, si on n'a plus peur du cauchemar, si on aime ça, c'est qu'en fait, c'est même plus un cauchemar, c'est un rêve. Donc, du coup... Ouais, je vais trop loin, je sais. Allez, passons à marché. J'ai pas envie de la jeter dehors, elle a l'air très gentille. N'est pas une ville pour un sélicole. Mais si tu tiens à y vivre, ça te regarde. Je te propose un marché. Je te présente l'homme de ta vie. Laisse la rêveuse tranquille. Et en échange, je dis au banquier que la maison est tentée pour de bon. Tu lui dirais ça? Et s'il te croit pas? Je suis sorceleur. Il me croira. Chic, chic et chic. Mais il va me demander de le tuer. Embêter ton ami. Même pas un petit peu. T'es vraiment chouette, tu sais. Je n'entends pas ça souvent. Merci. Oh, c'est vrai que c'est un beau compliment. Maintenant, va réveiller l'endormie. Je ne ferai rien contre. Elle se lèvera. Bon, elle va se réveiller et on lui parlera au prochain épisode. Merci à tous de m'avoir suivi. Un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Hein. C'est vrai que je le demande pas souvent, mais ça me ferait vraiment plaisir, les commentaires et tout le bordel. Hein. J'espère que ça vous a plu. Bisous à tous. Bye bye.